Re-bienvenue à Doloraclip. On est toujours dans la banque de 60 000 vidéoclips de Musique Plus et aujourd'hui, on vous présente quelques-uns des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est ça, les meilleurs du pire, du moins bon, du bon, les vidéoclips précieux. C'est des vidéoclips, en fait. Et le prochain, il est solide. Pour vous décrire l'histoire, c'est un peu une lutte entre le bien et le mal, mais aussi entre le bon et le mauvais goût. Et je vous laisse à la maison choisir lequel des deux va l'emporter. Vous allez voir, la vidéo, il y a une histoire là, assez bien construite. Et tout le long du clip, il y a des phrases toutes aussi sombres les unes que les autres, là, comme « j'ai été abandonné ». Puis à un moment donné, c'est écrit « il a fallu que je devienne danseur ». Et effectivement, le gars danse en tabarouette. Mais c'est bizarre parce que d'habitude, la danse est associée au plaisir, à la bonne humeur. Lui, on dirait qu'il danse pour témoigner sa détresse. C'est vraiment spécial. Et je dois donner une mention honorifique, 4 popcorns sur 5 à l'équipe technique. Premièrement, au monteur, hein, qui, je pense, a acheté le logiciel qui fait des éclairs. Et il l'utilise à peine pendant le vidéoclip, je pense une ou deux fois. Là, vous allez peut-être pouvoir le voir. Il y a aussi l'accessoiriste qui, je pense, est rentré dans le village des valeurs en disant « OK, je vais acheter tout ce qui ne se vend pas ». D'ailleurs, on voit une succulente perruque qui est aussi subtile qu'un gothique à côté d'un sapin de Noël. Donc, on va voir un mélange entre intensité et intensité. Omer Pacha avec Who Are You? Thank you.
Oh! T'es dans le mouvement, là. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Omar Pasha, parce que c'était pas son seul vidéoclip, malheureusement, vous pouvez aller sur son MySpace d'Omar Pasha. Il y a plein d'informations là-dessus. Sa carrière, elle continue, là. C'est pas son seul vidéoclip, puis il en fait même des films, des courts-métrages qu'il a présentés au Festival de Cannes. En fait, bon, vous voudrez voir le reste, là. Moi, c'est assez d'informations sur lui que je peux vous donner. Là. T'as fini, là? Je suis plus capable. OK. Le prochain clip qu'on va voir, c'est un rappeur agricole. Bon, on s'entend que je peux pas finir la présentation, là. C'est pas super gagnant. Imagine que t'as un profil sur un site de rencontre, t'écris « rappeur agricole ». Ça se pourrait que tu passes des nuits fraîches, un peu. En gros, l'histoire du clip, c'est comme un fermier qui s'appelle John, OK?